On est 70, plus de 70 associations et initiatives de tout l'enfant de mer à avoir signé cet appel. Je vais vous le lire. Donc, ça s'appelle « Lettre aux habitants de l'entre-deux-mer », habitants habitantes. Les associations locales se mobilisent contre l'arrivée du RN dans la 12e circonscription de Gironde. Notre inquiétude de voir arriver l'extrême droite au pouvoir dimanche prochain est immense. L'entre-deux-mer est riche de nombreuses associations, initiatives et collectifs qui font vivre notre territoire dans le secteur du social, de la santé, de la protection de l'environnement, de l'artistique et du culturel. L'ensemble de ce riche tissu sera demain grandement menacé si le RN obtenait la majorité à l'Assemblée nationale. Pascal Lavergne, député sortant et candidat de la majorité présidentielle, a retiré sa candidature pour le second tour. Le nouveau Front populaire est donc la seule alternative face au RN sur notre circonscription. Comme dans toutes les zones rurales en France, nous voyons les services publics de moins en moins présents sur notre territoire, en témoignent par exemple les horaires d'ouverture réduits, voire la fermeture de bureaux de poste et de gendarmerie, la fermeture de lits d'hôpitaux, l'installation toujours plus marquée de déserts médicaux et d'accompagnement social. Tant d'activités et de services de proximité nécessaires à notre qualité de vie, mais aussi au lien social essentiel pour mieux vivre ensemble. À l'échelle culturelle, ce sont les financements des employeurs culturels et les aides à la création qui baissent, voire disparaissent, pourtant indispensables pour proposer des projets accessibles à toutes et tous et pour créer du lien. Avec le RN au pouvoir, ces subventions seraient purement et simplement supprimées. C'est ce qui arrive depuis plusieurs années dans des bastions de l'extrême droite où la liberté d'expression et de création est censurée. Pression pour l'annulation d'événements culturels, interdiction de mise en rayon de certains livres dans les bibliothèques, etc. Artistes, artisans et artisanes d'art, techniciens et techniciennes, personnel administratif, nombre d'entre nous sommes intermittents et intermittentes du spectacle et habitons ce territoire auquel nous sommes tant attachés et que nous faisons vivre en jouant nos spectacles, en organisant des festivals, en menant des ateliers avec et pour vous, vos enfants, vos voisins, vos anciens et anciennes. Le RN souhaite supprimer le régime de l'intermittence. Nos emplois sont non seulement menacés, mais l'ensemble de notre territoire en serait aussi gravement affecté par un appauvrissement drastique de l'offre culturelle et sociale. À l'échelle du travail et de l'associatif social, ce sont nos missions qui seront menacées, voire interdites. Nos publics, les femmes, les personnes précaires, les enfants, les personnes discriminées, les familles, seront totalement abandonnées. La violence sociale, déjà très forte, deviendra incommensurable. Nos financements seront largement, voire totalement supprimés. Nos actions, parfois criminalisées, ne reposeront plus que sur des équipes de bénévoles ne permettant pas un accueil et un accompagnement à la hauteur des besoins du territoire. Le RN s'est toujours opposé, idéologiquement et dans les votes, au travail social et aux valeurs de citoyenneté et de solidarité. Le désert social est à notre porte. Nous portons des valeurs de solidarité, de diversité, de progrès, de soutien aux plus fragiles, au cœur de nos activités, comme bon nombre d'habitants et habitantes de l'entre-deux-mer. Ne laissez ni notre territoire, ni notre pays aux mains de l'extrême droite, qui présente un très grand danger pour notre démocratie et pour notre République. Dimanche 7 juillet, faisons barrage à l'extrême droite et votons massivement pour Mathilde Feld, candidate du Nouveau Front populaire sur la 12e circonscription de Gironde. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.